Ce que j'appelle les petits bonbons de la sagesse sont en réalité quelques pensées qui nous donnent de la matière dans la connaissance ou la recherche de la sagesse. Ces bonbons n'ont pas le même goût selon que l'on aborde tel ou tel sujet. L'amour, les faits sociaux, les croyances, et j'en passe. Oh, je ne prétends pas circonscrire toute la sphère de la sagesse, mais juste quelques idées et aphorismes, car le domaine est tellement vaste et varié. Être sage, c'est pouvoir prendre de bonnes décisions dans la compréhension et la résolution des problèmes, et s'il le faut, être à même d'atteindre des objectifs par la connaissance d'une manière efficace. C'est par ces mots pleins de sagesse que je vous présente Les petits bonbons de la sagesse, un essai de Félix Oisecois paru aux éditions Bergame en 2017. Les musiciens sont généralement connus pour chanter, danser, combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais il y en a qui vont plus loin, qui s'adonnent à l'art d'écrire. C'est le cas de Félix Oisecois. À travers ce livre, l'auteur n'essaye pas de circonscrire toute la sphère de la sagesse, mais juste quelques idées et aphorismes, car, il le dit lui-même, le domaine de la sagesse est tellement vaste et varié. Il estime qu'être sage, c'est pouvoir prendre des bonnes décisions, dans la compréhension et la résolution des problèmes, et s'il le faut, être à même d'atteindre des objectifs par la connaissance d'une manière efficace. Du coup, c'est un livre qui intéresse ceux qui apprécient le bon sens et les observations pouvant leur apporter une autre façon de voir les choses. Comme le dit si bien l'auteur lui-même, la sagesse est la tête d'un immense cortège de connaissances qui n'en finit pas de nous propulser vers les galaxies lointaines des idées capables de défendre plusieurs causes. J'ai décidé de vous lire quelques-unes de ces pensées qu'il appelle lui-même ses verbes, et de vous laisser découvrir l'explication qui est attachée à chacune d'elles. Par exemple, seul le cœur arrive à choisir l'amour comme sa propre maladie. Une autre, ne vous demandez pas si vous tomberez amoureux. Demandez-vous plutôt combien de fois vous le serez. Je vais en chercher une autre. La mauvaise odeur est connue à travers le monde. Elle peine néanmoins à se faire des admirateurs. Qu'avez-vous mis comme parfum? Sinon, il y a d'autres pensées telles la suivante. Au tribunal, tout le monde a l'apparence de l'innocence. Notre amour est-il déjà sur l'autoroute ou encore sur le parking? Il y a comme ça tant de pensées que je vais vous laisser découvrir en lisant vous-même ce livre, Les petits bonbons de la sagesse, écrit par Félix Oisecois. En terminant, moi je voudrais, indépendamment de tout, vous recommander la lecture. La lecture est importante, il faut lire, lisez. Lisez encore, lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.